principal du collège de la montagne. Voilà, voilà. Avec des élèves qui sont venus ce soir pour faire de la musique. Hein, mais pas n'importe quelle musique. Hein. Presque une symphonie. C'est une symphonie. Voilà. Tout à fait. Piloté par... piloté par M. Thévenot, oui, qui est le maestro de la classe orchestre. Ouais. Hein, donc cette classe orchestre a été, c'est sa troisième année. Ouais. Donc les élèves sont en quatrième, ils vont passer en troisième l'an prochain. Ah, d'accord. Et l'année prochaine, ils vont partir en Espagne pour concrétiser un petit peu leur pratique et échange, on va dire, culturel, d'accord, leur pratique musicale. Bien sûr. Donc, dans ce collège-là, la musique est à une forte valeur ajoutée. C'est une forte valeur ajoutée, on va dire, c'est on va dire une entité de l'établissement, puisque la musique, comme vous le saviez, Monsieur Coindin, c'est universel. Ouais. Comme vous-même, vous pratiquez la musique. Et d'autant plus, ouvrir les Réunionnais, les Réunionnaises à la culture musicale, c'est une très bonne chose. Quoi. Bien, voilà. Sûr, bien sûr. Hein. On a vu de la musique un petit peu classique, oui, on va dire. Hein. Tout à fait. Et bientôt, peut-être une musique un petit peu plus réunionnaise, qui sait. Mais l'objectif, en fin de compte, c'est on essaye aussi de faire en sorte qu'il y a la pratique, on va dire, au niveau de la symphonie, oui, ou on va dire un petit peu la culture d'une manière générale, universelle, mais sans oublier justement la pratique culturelle, c'est-à-dire la pratique comme encore réunionnaise, puisque c'est vraiment une forte valeur ajoutée. Bien sûr. Mais bien sûr. Donc vous saurez comme encore prochainement, puisque vous êtes invité le 29, on va dire le 29 juin, oui, au Théâtre de Champfleury, où il y aura comme encore pour les 15 ans de la classe orchestre à La Réunion. Ouais. Donc ils vont faire diverses manifestations et proposer diverses thématiques. Ouais. Ça permettra en fin de compte à chacun de s'en approprier et de faire en sorte de découvrir réellement ce que les jeunes réunionnais peuvent offrir c'est-à-dire en termes de connaissances musicales. On va dire aux spectateurs. Quoi. Bien, voilà, sûr, bien sûr. La musique n'adoucit pas que les mœurs. Elle est aussi un système d'intégration dans une vie sociale, politique, où laquelle tout le monde trouve sa place. Hein. Lorsqu'on on fait de la musique, lorsqu'on écoute de la musique, on a l'impression qu'on trouve sa place dans sa société. Mais en fin de c'est compte, pour ça que l'école fait en sorte que la musique ait vraiment une place importante. Mais la musique est très importante, je dirais, puisque c'est ce qui permet, en fin de compte, de créer la solidarité entre les différentes cultures, ouais, et développer, c'est-à-dire, cet élan de solidarité et fraternelle. C'est-à-dire, et là, justement, en pratiquant la musique, la plupart du temps, ça permet aux jeunes, en fin de compte, d'éviter les préjugés. Ah ouais. C'est d'accepter l'autre dans sa différence, dans sa culture. Bien sûr. Et c'est de faire en sorte que, à travers la musique, en pratiquant les différents instruments, ben on s'abstient, on se retrouve tout simplement. Bien sûr, d'accord. Alors. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce soir. Mais en tout cas, c'est avec un réel plaisir, M. Coindin, de nous avoir accueillis. J'espère que la prochaine fois, vous allez accueillir intégralement la classe et peut-être, pourquoi pas, faire en sorte faire un maillage de la cuisine et avec la culture musicale. Parce que la musique et la cuisine sont deux cultures, non pas complètement différentes, mais comme on dirait en bon latin, solidum, c'est-à-dire solimandier, puisque généralement, on fait toujours de la musique, on écoute toujours la musique un petit peu en cuisine. Hein. Tout à fait, mais en fin de compte, Et il paraît que la musique est une grande cuisine. Mais la cuisine, en fin de compte, c'est un art. Ouais. C'est un art culinaire, comme la musique aussi, c'est un art. Ouais. Et allier les deux arts, ça permet en fin de compte, si vous voulez, de rassembler les différentes cultures. Quoi. Bien sûr. Tout ça. Bien et sûr. Surtout de rassembler les différentes cultures et surtout la composition, on va dire, des différentes représentativités de l'île. Bien sûr. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Mais en tout cas, c'est moi qui vous remercie, Monsieur Coindin, de cet accueil très chaleureux et très fraternel et très solidaire. Mais en tout cas, à bientôt. D'accord. Voilà. À bientôt. Merci à vous. Alors, on va écouter vos élèves. Merci. Merci. Merci à vous. À bientôt. Allez, à bientôt. Alors, vous jouez de la musique tous les deux et vous voulez pas parler un peu à la télé?
On a réussi. Parce que vous savez qu'un bon politicien ne s'occupe pas forcément... Non, mais je peux ramener comme ça, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, je ne te vois pas, j'ai un grand angle, hein, tu sais. Hein. Est-ce que tu connais ce que c'est qu'un grand angle? Oui. D'accord, ça veut dire que même si je suis près de toi, je te vois très loin. Oui, très loin. Hein. Parce qu'il y a des gens qui ont dit que loin des cœurs et près des yeux. Moi, je dis que près des yeux et loin de la figure. Ben ouais, c'est quoi ce problème-là? Non, non. Alors, vous jouez de quoi, vous, tous les deux? Moi, je joue du tuba. Et toi? La batterie. De la batterie. Oui. Ouais. Tes percussions. Percussionniste. Percussionniste. Oui. Tu aimes ça? Oui. Ça fait du bruit, ça? Oui, beaucoup. Ah ouais. T'as les oreilles pour? Oui, trop. Tu mets des bouts de caisse des fois de temps en temps quand tu joues de la batterie? Non, pourquoi faire? Pour pas t'écouter jouer? Non, je préfère ne pas mettre. Ah c'est bon? Mieux. D'accord, je plaisante. Mais généralement, il est préférable de t'écouter jouer que de ne pas t'écouter jouer. Bah oui, bien sûr. Parce que des fois, là, hein, même moi, là, j'évite de m'entendre parler. Je mets des bouts de caisse pour ne pas m'entendre parler. Ça va. On a passé une bonne soirée. Oui. Et c'était super sympa de nous avoir accueillis, d'avoir Et tu nous as fait des choux avec une farce à l'intérieur. Je ne sais pas comment ça se plaît. Il y en a un nom? Chou farci. Hein? Chou farci. Chou farci. Voilà. Alors, cette école-là, c'est sous ta responsabilité aussi? Oui. Ouais. En fait, on a créé les orchestres à l'école depuis 2007. Au collège de la Montagne, c'est le premier qui a ouvert sur l'île de la Réunion. Ouais. Et donc là, c'est ma 7e promo. Ouais. Donc 7e orchestre, parce qu'ils font je prends un orchestre, une cohorte qui dure 4 ans en fait. Ah ouais, ouais. Donc je choisis les élèves en CM2, et quand ils rentrent en 6e, on leur met entre les mains un instrument de musique. Bien sûr. Mais une des conditions, c'est de connaître le solfège, parce que j'ai vu que... Non, pas du tout, mais j'ai vu qu'ils sont... ils lisent la musique, donc du coup, obligés, non? Non. Non? On prend des non-musiciens. Ah ouais? En 6e, on prend des non-musiciens, et après, ils vont apprendre... Alors, ils ont une heure de cours d'instrument avec un professeur de musique, et ils ont 2 heures d'orchestre avec moi. Et ils apprennent à lire sans solfège la musique, comme ça, avec en cours de musique. À l'oreille? Alors, ils apprennent souvent par cœur, c'est vrai, mais ils apprennent au fur et à mesure. Hein, quand on lit les partitions, on apprend, on apprend à lire les partitions. Ouais. Et donc, on prépare
Alors là, on prépare un voyage en Espagne, là, pour l'année prochaine. L'ancienne promo, on est parti à Cuba. Ah ouais, quand même. Ouais, on est pendant le Covid, mars 2020. Ah ouais, c'est bien raisonnable, mais bon. Mais ça s'est très bien passé. Ouais, ouais. Et puis, voilà, et on, bah là, on, donc, cette année, on prépare un programme jazz. Ouais. Donc, le 29 juin et le 5 juillet, 29 juin, c'est au Théâtre de Champfleury à 20h. Et le 5 juillet, c'est au Théâtre des Sables à 19h30. On joue des œuvres d'Eddie Lewis. Ouais. Donc, il y a trois musiciens professionnels et deux orchestres à l'école. Donc, l'orchestre à l'école de la montagne et l'orchestre à l'école de l'étang salé. D'accord. J'ai vu qu'il y a beaucoup de cuivre à l'intérieur aussi. Hein. Deux ? De cuivre. Ah ben, alors c'est que... les deux orchestres, c'est harmonie. Harmonie. Bois, ouais. Cuivre et percussion. D'accord. Il n'y a pas de cordes. Il n'y a pas de cordes du tout, du pas tout, du tout. Et très peu de percussion aussi. Alors, là, bon, dans ce qu'on va voir dans un instant, il y a un peu de percussion. On a un bassiste malgache qui est venu oui, vous alors, accompagner. Mais généralement, vous êtes plutôt seulement... En cuivre. On est en cuivre, bois et percussion. Voilà. Et ouais. Mais là, on est en normalement un orchestre c'est 26 élèves. Ah ouais. Et là, donc sur scène, on sera 52. Donc là, on était en effectif réduit, donc là, ça changera avec 50 gamins. Ouais. Pour faire un spectacle comme ça, je suppose qu'il y a beaucoup de répétitions, de travail en amont et, voilà. Et beaucoup de travail aussi chez soi parce que les enfants doivent aussi travailler un petit peu chez eux. Exactement. Ouais. Là, c'est en plus c'est du jazz, donc c'est assez. C'est assez compliqué. Comment se comportent les parents dans ce cas-là avec les enfants? Parce que non seulement il faut faire les cours habituels, mais en plus il faut se consacrer et se pencher sur la musique et tout ça. C'est pas quand même des fois un petit peu lourd pour ces élèves-là, non? Alors, c'est vrai que la musique en plus, c'est vrai que ça rajoute, c'est vrai, un petit truc en plus. Ouais. Mais on leur demande pas de travailler une heure par jour. Hein. On travaille de 10 minutes, un quart d'heure par jour. Ouais. Mais justement, c'est fait pour leur apprendre que avec le travail, ben, on peut y arriver. Et généralement, les parents, ils adhèrent complètement? Oui, oui, ils adhèrent. Ils adhèrent complètement. Ouais. Bah, là, ils seront là pendant les concerts. S'il faut aider. Mais ce soir, déjà, on a eu des parents qui sont là aussi, hein, oui, qui ont été là, ouais. Hein, aussi. Alors, hein. Vous avez des gros projets comme ça encore pour l'avenir, hein, des choses qui vont se faire et qu'il faut encore préparer, qu'il faut encore mettre sur place, alors, tout ça. Déjà, on a le voyage en Espagne l'année prochaine. Ouais. Je souhaite organiser les 20 ans des orchestres à l'école. Ouais. Donc ça sera en 2027. Et donc là, on rassemblera tous les orchestres à l'école de l'île de La Réunion. Donc il n'y en a pas que ici, hein. Il y a Saint-André, l'école Milroche, le collège Milroche de Saint-André. Ouais. Il y a le collège de la Montagne, collège du Bas de la Rivière, collège Redlé, collège du Chaudron. C'est un orchestre à cordes. Dans l'école primaire, à côté du Chaudron, c'est aussi un orchestre à l'école. Il y a l'étang salé, deux à Sillaos, trois à Saint-Pierre en école primaire, deux en collège à Saint-Pierre. J'espère ne pas me tromper. Et à la Ravenne des Cabris, on aimerait rassembler tout ça sur la scène, sur une scène pour travailler. Des compositions. D'accord. Voilà. On l'a fait pour les 10 ans. Mmh. Il y avait plus de 300 gamins sur la scène de Champfleury. Ah, ouais, 300 gamins sur une scène, 300, ouais. Ça fait du monde. Hein. Ça fait du monde. C'est hein. Un très beau projet. Ouais. C'était une œuvre composée par Jean-Luc Trulès. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Bah, c'est merci à vous de nous avoir accueillis. Merci. On va écouter les enfants là. On va aller les voir dans un petit instant aussi. On va les écouter un petit peu. On va écouter un petit peu leur avis, leur ressenti, leurs états d'âme, leur coup de cœur ou peut-être coup de gueule, qui sait, dans un petit instant. Qui sait. Hein, les bons. Merci beaucoup. Merci. On était avec monsieur Thévenot Guillaume. D'accord. Merci beaucoup. Merci, au revoir.
paraît que c'est toi le grand monsieur. Ouais, 1m80. 1m80, ouais. Et toutes ses dents. Oui. Ouais. Ah, ouais. Mais l'oreille doit suivre aussi, parce qu'il faut quand même avoir de l'oreille musicale, hein, pour pouvoir écouter toutes ces élèves-là chanter sur le même ton, même voix, même diapason. J'en ai deux. Voilà. Là. Ça rend service d'avoir deux. Ça rend service. Ça rend service. Ça permet de poser les chapeaux. Voilà. Les lunettes. D'accord. Ouais. Et qui sait, les oreilles, ça sert beaucoup à de choses. Mais dis-moi, avec ces enfants qui sont là, qu'on va voir dans un instant, là, c'est toujours un amour incommensurable de travailler avec eux. Oui. Alors, le souci de la transmission, ouais. Leur faire découvrir un univers qu'ils n'auraient vraisemblablement pas découvert s'il n'y avait pas eu les orchestres à l'école. Ouais. Donc, le dispositif, je pense que mon collègue en a parlé, mais... je pense que eux-mêmes se doutaient pas un jour d'avoir entre les mains une flûte traversière, une clarinette, un saxophone, trompette, trombone, tuba, percussion, xylophone, batterie, et puis toutes les petites percussions, bongo, cayambe, rouleur. Mais juste entre nous, mais vraiment juste entre nous. Dans un monde où, on est juste entre nous. Il n'y a personne qui nous écoute là. Hein. Je te parle juste d'homme à homme. On va le dire, dans un monde qui évolue tellement rapidement comme ça, où les gens sont avec des instruments très électriques, on va dire, ramener des trombones, des instruments avant, des instruments très traditionnels à des jeunes enfants qui sont inondés de musique électronique tous les jours. N'est-ce pas là un grand coup de pied dans une fourmilière que eux-mêmes, ils n'ont pas construit? Ben si, peut-être qu'ils soient un peu blasés par tout ce qui est électronique, et ça apporte un vent nouveau à leur vie de tous les jours, quoi. D'avoir un instrument qui est presque un prolongement de son propre corps. Ouais. Voilà, sur tous les instruments avant, là. Enfin, il y a tout... Il faut toute une éducation pour ça aussi, quand même, non? Oui, ben là, on est aidé par des professeurs spécialistes dans les instruments. Ouais. Et puis nous, on les a en orchestre 1h30 par semaine. Et là, on a un répertoire vraiment très exigeant. Vraiment, ils ont bien joué tout à l'heure. Ouais. Hein, parce que jouer du Eddie Lewis alors qu'on a 2 ans, 3 ans d'instruments, ouais, c'est vraiment pas donné. Bon, ils ont des bons professeurs. on espère avoir formé de bonnes équipes, ouais. Bien en sûr. Tout cas, les résultats sont là. D'accord. Et merci pour votre accueil. C'était super, super moment de partage avec les musiciens, avec les gens de la maison, avec tout le monde. Vraiment un bel endroit. Merci beaucoup. Hein? À très bientôt alors. À très bientôt. À très bientôt. Nino, viens me voir. Nino, viens me voir. Nino, ne cache pas, Nino. Nino, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Nino. Tu sais que j'ai besoin de toi. Oui. Nino. T'es pas rappeur, toi, Nino? Non. Hein? T'es chanteur? Non plus. T'es musicien? Oui. Ah, tu joues de quoi, toi? Du jeu de trombone. Du jeu de trombone? Hein? Et tu as le souffle coupé à chaque fois que tu joues de trombone? Non. Non? Non, tu as de la respiration? Bah, ça va, tes poumons sont bons encore? Ouais, oui. T'es jeune, tes poumons sont encore bons. Hein? Il faut du souffle pour jouer de trombone? Oui. Un petit peu? Hein? Un peu. Et beaucoup. Tu apprends ça comment? Bah... Tu formes comment? Tu fais de la respiration artificielle? Non. Tu fais de la plongée? Tu fais de l'apnée aussi, non? Quelquefois, non? Pas du tout? Non. Alors, comment tu fais pour avoir du souffle pour jouer du trombone? Bah, on s'habitue au bout d'un moment. Ça fait combien de temps alors que tu t'habitues? Ça fait 1 an et demi à peu près. Un an et demi? Bientôt 2 ans. Hein. Et tu aimes ça, le trombone? Ça va, ouais. Ça va? Non, ça va ou tu aimes ça? Oui, j'aime ça. Tu aimes ça? Il y a tes parents qui t'écoutent là, hein? Oui. Je répète ma question, non. Tu aimes ça ou bien Oui, j'aime ça. Ah bon, d'accord. Une guitare, non? Je joue un peu de guitare, un peu de piano et un peu de batterie aussi. Oh, d'accord. Hein. Et quand tu écoutes de la musique, tu écoutes généralement quoi, toi? Nino? Non, je plaisante, bien sûr. Non, je n'ai pas trop de style, on va dire. Ouais. Le rap, c'est pas trop ton truc. Non. Tu es plus au classique, toi? Non plus. J'écoute reggae? Plus de la pop, on va dire. De la pop? Ah ouais. De musique qui vient de quel endroit, de la pop? Et tu es un petit peu aussi peut-être et tu connais que en Corée il y a des artistes qui sont super bien, Corée du Sud, Corée du Nord et tout, hein. Tu aimes bien là-bas?
Bah ouais. Ça va. Bah, parce qu'actuellement, c'est tendance. Hein. Les jeunes, ils aiment bien ça, les chansons qui viennent de la Corée du Sud, de la Corée du Nord et tout ça. Ouais. Hey, du Sud plutôt actuellement. Hein. Ah ouais. Et tu aimes bien les clips aussi? Non, j'écoute plus sur Spotify parce que les clips, c'est pas trop mon truc. Hein. Ah ouais. Genre, il y a trop d'images à regarder. Et... Ah ouais. Tu te concentres plutôt sur le son. Voilà. D'accord, alors on va te laisser concentrer sur le son. Hein, on va te laisser aller jouer avec nous, d'accord? D'accord? Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Un petit coucou à maman, papa. Mais je sais pas s'ils vont regarder. Mais... Ouais, ils vont regarder, obligé. Bah, si tu as la télé qui regarde pas, c'est pas bon, hein? Non, ils vont regarder, t'inquiète pas. Coucou à maman, papa. Bah, coucou maman, papa. Ouais, c'est bien de faire coucou maman, papa. Hein, ça veut dire que même si tu es loin d'eux, tu penses à eux. D'accord? Allez, à bientôt. Nino? Ok, à bientôt.